Parmi ces hommes, un Français. C'est votre enquête, Nicolas Canel. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Je le disais, c'est pour Blast. Vous avez pu suivre très exactement le sort, il s'appelle Munier, d'un Français qui servirait pour Wagner. Oui, alors ça a été une enquête que j'ai menée du coup pour le journal Blast. Et ça a été 6-7 mois d'enquête sur ce personnage qui est très intéressant, qui est un Français, qui s'appelle Sergueï Munier, et qui a un sacré défaut, c'est-à-dire qu'il aime beaucoup les réseaux sociaux. Et il aime beaucoup se mettre en scène aussi sur les réseaux sociaux. Vanité, donc, il n'est pas le seul. Hein, et donc chez Kadyrov aussi, il y a beaucoup de vaniteux qui aiment bien TikTok et autres. Exactement. Sauf que lui, il publie du coup un peu trop de choses. Il publie suffisamment de choses pour qu'au bout de 6 mois, on peut se permettre d'être affirmatif sur son appartenance aujourd'hui au groupe Wagner. C'est une enquête qui a duré du coup 6 mois et ça a été corroboré par plusieurs sources. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très surveillé, on va dire, par les autorités françaises. Ah. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce qu'il y a beaucoup de combattants étrangers chez Wagner? Alors, il y a beaucoup de combattants étrangers chez Wagner. Après, pour les Français, il y en a quand même. Ils ne sont pas nombreux. Je pense qu'on les compte sur les doigts de la main, très honnêtement. Après, est-ce que c'est pour autant significatif? Moi, je pense que oui. Je pense que, en tout cas, cette personne et d'ailleurs toutes les personnes qui sont parties se battre en Ukraine, que ce soit d'ailleurs du côté russe ou du côté ukrainien, vont finir par poser des questions d'ailleurs à leur retour en France. Au bout d'un moment, on va avoir peut-être des questions à se poser aussi sur ces gens-là. Gallagher. Nicolas, vous insistez sur le fait que cet homme publie énormément de photos de lui-même pendant des mois. Est-ce que c'est pour vous le signe d'un grand amateurisme, notamment pour quelqu'un qui est engagé dans des combats? On imagine que faire cela, ça le met lui et ses camarades mercenaires en danger également. Je ne saurais pas dire si c'est le signe d'un grand amateurisme. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va à l'encontre des consignes de sécurité qui sont dictées par la firme de mercenaires à leurs membres, où on leur dit effectivement de ne pas afficher leur appartenance, de ne pas publier à tour de bras sur les réseaux sociaux comme Sergueï Munier le fait. Donc peut-être qu'effectivement, ça peut traduire une certaine fébrilité, un certain amateurisme. Mais surtout, ça permet de montrer exactement tous les déplacements de Sergueï Munier et in extenso peut-être de Wagner aussi en Ukraine. Alors, général Richoux, vous regardez ça d'un air sidéré, parce que alors pour un militaire de carrière comme vous, voir ça, là, tout est inouï dans ce à quoi on assiste. Oui, et puis je vois une photo là qui me perturbe un peu, c'est que visiblement il a été soldat au 1er SPAHI, au régiment auquel j'ai servi, qui est un très très beau régiment. Ah. Formation Richoux. Voilà, donc j'ai été capitaine aussi là-bas, donc c'est un régiment qui m'est cher, et visiblement là, on vient de voir une photo du 1er SPAHI. Donc il a reçu une formation. Réserviste. Réserviste. Alors, bon. Ça va déjà un peu mieux, mais pas complètement quand même. Mais pardon, en même temps, on dit amateurisme, on dit vanité, on peut ironiser, etc. Mais visiblement, leur extrême violence fonctionne, puisque c'est l'événement du jour. Ah, est-ce que c'est une victoire? Prudence encore, mais en tout cas, c'est une avancée importante. On voit que ces unités Wagner, ce n'est pas seulement de la parade. Ça marche. Ah non, ça marche mieux que Kadyrov, ça c'est certain. Alors là, effectivement, ils ont progressé. Alors déjà, il faut quand même rappeler que la bataille de Soledar n'est pas une bataille distincte de Bakhmout. C'est la même bataille, c'est 20 km au nord. C'est la pince nord, ils n'ont pas réussi à prendre Bakhmout, donc ils contournent par le nord et ensuite ils vont forcément essayer de se rabattre. La deuxième chose, c'est que gagner des gains, je dirais, de quelques centaines de mètres, ça serait dans la campagne. On n'en parlerait même pas. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans une ville et que c'est un gain politique pour Vladimir Poutine qui n'a pas une grande signification sur le plan militaire. Parce que quand on regarde en macro, les lignes de front ne bougent pas. Et derrière, il y a le combat dans la profondeur. Et je veux dire, une avancée comme celle-ci ne signifie pas la percée, ne signifie pas la rupture du front. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça n'est pas la rupture du front. Vous disiez, avoir Soledar, c'est peut-être encercler Bakhmout à terme. Mais ça permet de monter. Vraisemblablement. Quand vous voyez, s'ils prennent Soledar, il commence à prendre Bakhmout un petit peu à revers, mais derrière Soledar, il y a d'autres lignes. Et c'est pour ça que je dis avancer de 100 mètres, 200 mètres, même 1 km, c'est rien du tout. Et derrière, il y a d'autres lignes, et ça ne signifie pas ni la rupture, ni la percée du front. Et ils sont installés dans la profondeur jusqu'à Sloviansk, hein, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, sur le plan militaire, c'est une victoire à la Pyrrhus, encore une victoire comme celle-là où je suis perdu, disait Pyrrhus, roi des pires, et donc ça va être un coup, à mon avis, considérable, un peu comme ça a été fait à Severodonetsk, où ça a saigné l'armée russe pour de longs mois. Roi des pires, sans jeu de mots. Oksana. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, et on oubliait de dire aussi que, oui, ils peuvent passer par le nord,
Nord, mais après, ils vont être arrêtés par la fleuve, parce qu'il y a une rivière, personne ne dit... Oui, mais il y a des positions, là, forcément. Voilà. Donc, en fait, le front ukrainien n'est pas mis en danger par ça. Mais des fois, de temps en temps, il faut savoir céder du terrain. Et gagner du temps en cédant du terrain, ça fait partie de la tactique militaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une contre-attaque après-demain. La dimension idéologique de cette unité Wagner, est-ce que vous l'avez perçue, Nicolas Quesnel? On voit ces images inouïes de leur drapeau avec une tête de mort, il y a là quelque chose d'à la fois évidemment sinistre et en même temps un peu grotesque, on dirait presque que c'est un groupuscule néo-nazi qui a fait ça, et c'est plus qu'un groupuscule néo-nazi, c'est une armée de 5 000, ils ont peut-être davantage aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas d'idéologie chez Wagner en fait. Moi, de tous ceux que j'ai suivis, je parle bien des soldats, j'ai vu très très peu d'idéologie. Il y en a évidemment, il y en a toujours un petit peu, mais c'est pas ça qui constitue, on va dire, le cœur de Wagner aujourd'hui. Même ils ont une réputation de bons combattants, c'est aussi ce qu'ils essayent de faire passer à travers Soledad et à travers Bakhmout dans cette victoire, qui est quand même une victoire symbolique, hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus le nier, les symboles sont importants, surtout dans cette guerre. Maintenant, ce ne sont pas des génies tactiques, ce ne sont pas des génies militaires, ce ne sont pas forcément non plus des bons soldats. On est très loin des forces spéciales, hein. Même dans les recrutements qu'ils font, en fait... on n'est pas vraiment sur des gens extrêmement qualifiés. On a aussi souvent des retraités de l'armée russe. Et généralement, pas les meilleurs. Maurice. Là, il y a un Français. Un Français, bon, c'est pas une surprise d'ailleurs. Mais ce qui est troublant, c'est que ça arrive la même... Votre enquête arrive la même journée que la résurgence de ce que j'appelle le parti russe. Dans le Figaro, ce matin, il y a une page, une interview d'Emmanuel Todd qui se met... au service de Poutine. Les thèses défendues dans cette interview sont absolument... C'est les mots de Poutine, c'est les formules de Poutine. Il y a un livre d'Edgar Morin qui est sorti cette semaine, qui reprend les thèses de Poutine, qui reprend les mots de Poutine, qui explique qu'il faut laisser le Donbass aux Russes, sinon la répression ukrainienne contre les russophones du Donbass sera épouvantable. Qu'est-ce que c'est, pardon, qu'on précise bien pour vous, c'est le parti russe, c'est le parti défaitiste, comment est-ce que vous non, le décrivez? Non, c'est vraiment c'est la vision russe de la situation, c'est la compréhension de ce que fait Poutine, et c'est absolument invraisemblable, parce que c'est une... Et ça pèse, et ça va finir par peser. Alors, depuis quelques mois, ils se taisent, parce que c'est compliqué, parce que... Mais on sent bien que, de façon régulière, le parti russe reprend l'importance, reprend l'influence.